Mon père disait tout le temps, Jean-Claude, c'est pas une vie, ça, mettons. Essayer de vivre de la musique, c'est pas une vie. Moi, j'aimais ça. Il me disait, faut y montrer, tu sais. Faut y montrer, mettons, que je suis capable. Là, j'ai commencé à faire de la musique. Dans les écoles, j'ai gagné ma vie pendant 20 ans. Après ça, à travers de ça, on a commencé à pratiquer les charbonniers, mettons. On a fait beaucoup de tournées. On en fait moins de ce temps-là, mais ça reviendra peut-être, on ne sait pas. Bien, j'ai fait des concerts un peu partout. Il aurait été fier en hostique de voir, mettons, que quand on a fait la tournée avec Gilles Vigneault, il aurait été fier de voir ça s'il avait été vivant. Je veux raconter des vieilles affaires, tu sais. Je veux mettre les expressions, mettons, des gens, mettons. Puis des lieux qui ont été nommés par les autres qui ont été avant. Et t'as une belle chanson, je trouve, qui illustre ça, c'est coloniser. Ouais. Coloniser, feuilleter, chanter, le livre d'histoire de ma région, c'est redécouvrir le passé, puiser aux sources de nos passions, refaire vibrer le violon, sortir du coffre nos vieilles chansons, mettre par devant nos expressions. Imaginez tant d'Erilba écrire une lettre à sa cousine, lui suggérant un bon tabac qui viendrait du bout de Sainte-Marceline, lui disant qu'elle était en plein barda, les petits d'un bord, les fenêtres d'un bras, le soir en face d'une pile de bas. Imaginez mon oncle Hector fouiller les bois du sud au nord, pendule en main, en quête d'or, pionnier des grosses compagnies de l'autre bord, qu'est-ce que vous pensez fallait de l'or quand résonnent les gros pétards, disait Hector devant son flasque de fort. Imaginez mon oncle Anselme, suis dernier jour du mois d'avril, ensemencé son champ d'avoine, revirailler le jardin joli, redresser la clôture qui chambranle, il faudra se retrousser les deux manches pour arriver à faire cette vie. La MSC de la Matawinie, elle va loin, là. Sainte-Marceline, Sainte-Béatrix, Saint-Combe, Saint-Zénon, Saint-Michel, Notre-Dame de la Merci, Saint-Damien, Saint-Jean-de-Mata. Autrefois, on était plus que ça. Parce que en haut de Saint-Michel-des-Saints, il y avait le village de Saint-Ignace-du-Lac. OK? Puis le village de Saint-Ignace-du-Lac, il a été inondé quand ils ont décidé de faire les barrages. Le village se trouvait dans les bas-fonds de ça. Fait que c'est le lac Taureau, ça? Oui, c'est le lac Taureau. Fait que le gouvernement, ils ont exproprié. Alors, je pense que c'est 400 personnes qui sont parties pour aller fonder ensemble le village de Témiscamingue. Soit Rimini ou Témiscamingue, je suis un peu mêlé, là, mais c'est au Témiscamingue. Je pense que c'est le village de Rimini. 400 personnes qui sont parties ensemble, là-bas. T'as-tu écœuré, mettons, il était déjà établi. Puis en 1860 et... dans les années 1800, peut-être la fin des années 1800, mettons, le village de Saint-Ignace-du-Lac, c'était plus gros que le village de Saint-Michel-des-Saints, là. Ah ouais, c'était gros, là. Il est resté quelques habitants, mettons, qui étaient installés sur les hautes terres. Mais le restant du village, tout a été inondé, là, en même temps que Rapide Blanc, puis tout ça, là, ça a été dans ces années-là, là, mettons. J'avais composé la complainte de Saint-Ignace-du-Lac, là, mettons, là, ça, c'est ça, t'sais.
M'en va vous raconter l'histoire des gens de Saint-Ignace-du-Lac, qui de peine et de misère se met beau blé dans le terre noire. Pensant bien faire la bonne affaire, se sont retrouvés les quatre fers en l'air, prisonniers d'une grosse compagnie qui fait des piastres à jouer dans l'eau, prisonniers condamnés à mort ou à l'exil. Ils ont construit la petite chapelle, le presbytère et ensuite l'église. Passer le journée à bûcher, à sacrer, nous disait Tinoir. On a-t-il forcé en désespoir, dans l'espoir d'avoir cuc-sans noir. À force de ramasser nos guenilles, il y avait moyen d'élever famille, nu-pieds dans les niques de frémille. C'est le temps des foins, menez-vous-en les filles. Un grand mail sèche entre au village, guidant de luisantes juments noires. Wouh, catin, wouh, catin, juste en face du magasin chez Toussaint. Bonjour, je suis représentant de la compagnie Shawinigan and Power. On va construire un grand barrage juste en bas du rapide taureau. Vous devrez donc vendre vos terres, quitter le village de gré ou de force. 1927. À Saint-Ignace, les citoyens se réveillent. On se laissera pas noyer comme ça, criaient les charrettes, les basinets. Toutes les assemblées municipales, ça attirait plus de monde que la grand-messe. Hey, allez donc voir si Monseigneur fera pas pression, monsieur le curé. S'il faut aller jusqu'à Québec, j'irai avec vous. D'ici Naï. Il s'en est fait plusieurs voyages, dont un entre les cas. Sur le ministre, rage au cœur, les Matawiniens disaient « On n'est pas ici pour rien. » La pétition dedans les mains, pas moyen de le faire bouger d'un brin. Où vous vendez à ces prix-là? 3 600 $. Ça, c'est un gros tas. L'autre solution, il n'y en a pas. Regardez sur la carte. C'est déjà plus là. Ils se sont fait répondre ça. Regarde, aujourd'hui, tu n'entends plus parler même de ça. Là. Le réservoir du Lac-Taureau, une centrale là, ça ne dessert pas grand monde là. T'as bien plus pour les compagnies, mettons, qui, pour pouvoir, mettons, monter les eaux, puis faire tout le transport, mettons, du bois par les eaux, tu sais. Ouvre la dame, puis il laisse tout aller ça, en bas. Ça s'en allait de ça, puis t'as rien convoyé, ça. Trois grosses rivières, ils jettent là-dedans. La Matawin, la rivière du Poste, la rivière du Milieu. Barre ça à l'autre bout, là. Mettons, puis ces trois rivières-là, ils arrivent, à un moment donné, le niveau d'eau, il monte, là. Il vide dans toutes les années. Toutes les années, encore, le réservoir du Lac-Taureau, l'hiver, tu t'en vas là, t'es pas capable de traverser là, là. Il reste juste certains lacs qui ont été comme inondé dans ça, là, mettons, là. Même que l'été, mettons, quand tu y vas l'été, tu peux voir le solage de l'église dans le fond de l'eau. Ouais. T'as un peu, là, je pense qu'elle vient de revenir. Là. Ce que je donnerai à mamie au premier jour de mai, une perdriole qui vole dans les bois. Une perdriole qui va, qui vient, qui vole. Ce que je donnerai à mamie au premier jour de mai. Bon. Deux geais bleus couvant leurs œufs. Une perdriole qui vole dans les bois. Une perdriole qui va, qui vient, qui vole. Là, je vais toutes les enchaîner, les couplets, OK? Trois corbeaux qui guettent sur un chicot,
Quatre merles aux yeux de perles, cinq pigeons qui attendent l'avion, six pique-pois picossant IA, 16 oies blanches venant du nord, et une perdriole qui va, qui vient, qui vole. Ça, cette chanson-là, on l'a fait avec les charbonniers. C'est une chanson comme à énumération. Fait que là, on partait, à un moment donné, on les descendait toutes, puis à la fin, on les reculait toutes. 16 oies blanches venant du nord, 6 pique-pois picossants il y a, 5 pigeons qui attendent l'avion, 4 merles aux yeux de perles, 3 corbeaux qui guettent sur un chicot, 2 geais bleus couvant leurs œufs et une perdriole qui vole dans les bois. C'était ça la chanson. C'est à partir d'une mélodie trad, mettons, mais arrangée, tu sais. Mais ça, j'aimais ça, faire ça. Parce que c'est une partie de composition, à quelque part, tu sais. J'étais comme unique dans mon affaire, dans le sens que c'est moi qui l'avais. C'est pas personne d'autre. Je l'avais sorti de moi-même, j'avais arrangé ça à ma manière, tu sais. Bon, tu vas dire, on massacre le folklore, là, en ce temps-là. Mais à quelque part, le folklore, là, mettons, c'est de demain, là. Il y a quelqu'un qui a fait ça, ces airs de musique-là, mettons, là. Hein? On joue les airs de musique de quelqu'un qui a vécu, tu sais. Bon, mais peut-être, là, dans 50 ans, il y aura quelqu'un qui va chanter une de mes chansons, mettons, qui va être devenue, mettons, une chanson trad, tu sais. Tout ce que j'ai composé dans la vie est tout enregistré. Il est tout dans le garde-robe en haut dans ma chambre.